Nous avons eu l'honneur d'être invités par l'Association des maires de France pour venir participer au centième congrès des maires de France, ce qui est un grand plaisir pour nous. Nous sommes là aussi pour profiter de ces moments importants en vue de signer une convention de partenariat avec l'Association des maires de France. Comment ça va? Ça va bien, merci. Quelle joie de se retrouver. Mais merci pour votre invitation. Et merci pour tous les honneurs. Ah non, non, merci. Nous avons bien apprécié toutes les facilités. Ouais, on a passé un bon moment. Mais on a beaucoup de maires qui participent au congrès. Jusque-là, tout le monde le sait, la France et le Sénégal sont deux pays très amis, historiquement amis. Les peuples des deux pays sont très liés et les collectivités locales des deux pays sont jusque-là très liées. Il faut avoir une coopération, disons, stratégique pour permettre de regarder ensemble quels sont les problèmes communs afin de les aborder de façon unie, mais de les aborder aussi de façon stratégique. De ce point de vue, il nous est paru important, au-delà des relations entre collectivités locales, de concevoir une relation entre les deux associations fêtières, que sont l'Association des maires de France et l'Association des maires du Sénégal. La convention nous permettra d'aborder des sujets aussi importants que l'éducation, la formation des élus et des équipes municipales, ainsi que l'échange d'expérience et de bonnes pratiques dans la gouvernance de nos différentes associations. Alors j'ai signé au nom de l'AMF effectivement cette convention avec le président Aliou Sall, qui est le fruit d'une coopération très ancienne, très puissante, et aussi le témoignage de l'amitié et de la volonté de renforcer une coopération. Au fond, le Sénégal a les mêmes interrogations que nous avons en France, c'est-à-dire quelle relation à égale distance entre l'État centralisé, ses compétences, et puis la libre administration et autonomie donnée aux collectivités pour mener des politiques de proximité auprès des populations. Donc on a les mêmes problèmes, avec évidemment des territoires différents, des populations et des démographies très dynamiques du côté de Dakar, et aussi un besoin de solidarité dans les territoires un peu plus reculés. C'est la même chose chez nous, et c'est la raison pour laquelle le mariage des compétences, le partage des expériences, la solidarité naturellement entre la France et le Sénégal, historique, justifie pleinement que, aussi bien au niveau diplomatique des États, il y ait des liens très étroits et que ça se décline dans ce partage d'expériences. Et nous mettons ainsi à disposition de l'AMS tous les services de l'AMF et réciproquement. Et je me rendrai au nom de l'AMF dans le courant du premier semestre pour faire cet échange et puis profiter aussi des expériences locales pour en tirer le meilleur. Merci. 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 Merci.